ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente. On est allé marcher, mon mari et moi, dans le quartier avec Luna. Et on est revenu pour s'arrêter à la boîte postale. Et j'ai découvert ce paquet. Donc, je ne vais pas le mettre de l'autre côté parce qu'il y a une adresse sur l'autre côté. Et je me suis dit, ah, ça, je sais de qui ça vient. Je sais que ça vient de Jacinthe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et du coup, je l'ai contactée sur Messenger et je dis, ça vient de toi, ça, non? Et elle me dit, oui, ça vient de moi. Elle me dit, j'ai pensé que ça te ferait plaisir. Donc, je vais ouvrir ça. Je l'ai déjà un peu ouvert, là, comme vous voyez, pour voir ce que c'était à l'intérieur. Mais j'ai pensé faire une petite vidéo. J'ai demandé à Jacinthe si elle était d'accord avec ça. Elle m'a dit, oui, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Tu peux l'ouvrir sur ta chaîne si tu veux. Donc, c'est ça. C'est une petite vidéo que je vous mets aujourd'hui pour vous montrer qu'est-ce qu'elle m'a envoyé. Alors, comme j'ai dit, j'ai déjà ouvert un peu le paquet. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des strass. Alors, elle m'a dit qu'elle n'utilise pas trop les strass, je pense. Elle utilise plutôt les AB qui viennent dans les kits, les partiels ou des trucs comme ça qu'elle fait. Mais elle garde, d'après ce que j'ai compris, elle garde pas les strass. Elle les utilise pas, en tout cas. Donc, elle s'est dit, ben, au lieu de ne pas m'en servir, je vais te les envoyer. Et merci encore, Jacinthe, si tu regardes cette vidéo. Merci du fond du cœur. Donc, voilà tout ce qu'on a. Il y en a pas mal. Il y en a vraiment pas mal. Ah, et je crois qu'il y en a un dernier là. Ouais, j'ai tout sorti. Alors, elle en a mis pas mal. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de couleurs aussi. Il y a même une petite note, mais je sais plus si... Je vais pas le lire à la caméra parce qu'il y a le nom de mon mari dessus. Mais oui, elle dit les trois premières lignes, c'est « Coucou, j'ai pensé que tous ces strass te feraient plaisir. Joyeux Noël et bonne année. À toi et à ton mari. Bisous, Jacinthe. » Merci, Jacinthe. Merci, merci. Alors, déjà, oui, elle m'avait dit qu'il y avait un petit autocollant. Donc ça, je ne sais plus où est-ce qu'elle l'a eu. Certainement en achetant des AB sur la boutique JP Wet Sparklers. Mais ça, vous voyez, c'est un autocollant. Et elle le sait, hein, que je garde les autocollants et je les mets sur ma tablette inclinée. Il n'est pas trop beau, celui-là, il est fait qu'avec des... Alors, il est fait avec quoi? Alors, attendez. Il est fait avec des AB et des autres types de strass. Mais il est superbe. Je vais le mettre sur ma tablette inclinée parce que j'adore les mettre. Et c'est ça, c'est un autocollant. Quand on enlève ça, là, ça colle. Alors ensuite, je pense qu'elle a fait un mélange de... Je pense qu'elle les a reçus principalement dans ses kits partiels, là, de DP partiels. Corrige-moi si je me trompe, Jacinthe, mais je suis pas mal sûre que c'est là où tu les as eus. Et on a plein de couleurs différentes. Il y a beaucoup de roses. Ma couleur préférée. Ouais, je pense pas qu'il y a des DMC. Mais ça, c'est pas grave. Je vais essayer de les agencer du mieux possible. Ça, c'est vraiment pas un problème. Ah ouais, mais regardez, il y a un gros paquet, là. Ce sont des strass jaunes. Je vais essayer de les trier par couleur. Alors, au niveau des bleus, je vais voir qu'est-ce qu'elle a mis. Il y a plusieurs bleus, là. Alors, attendez. Parce que là, j'ai essayé de les mettre. Ça, c'est presque... Oh, c'est beau, ça aussi, mais ça, c'est presque violet. Alors, au niveau des bleus, il y en a plusieurs. Parce que là, je sais que je les ai tous mis, mais... Ok. Donc, je vais enlever ça. Ce que j'avais commencé à faire. Au niveau des bleus, il y a des bleus pâles. Donc, il y a ces trois bleus qui sont pâles. Ce sont trois couleurs différentes. Et ensuite, on a des bleus plus turquoise. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que ces deux couleurs, ce sont les mêmes. Oups, vous n'êtes même pas dans la caméra, là. J'ai l'impression que ça, ce sont les mêmes couleurs. Ouais, je crois que oui. Je vais les combiner dans un sac.
Et ensuite, on a ça qui est un peu plus foncé. Et on a un qui est très foncé juste là. Ensuite, je vois du vert. Alors, dans les verts, il y en a plusieurs aussi. Je crois que j'ai les mêmes couleurs là en plus. Ça, c'est génial, ça. Alors, attendez. Alors, les verts. Il y a des pâles. Ça, c'est un vert un peu. C'est jaune vert, ça. Donc, il y a ces deux types de verres. Ensuite, ça, c'est presque un. C'est presque du turquoise. Ça tend vers le bleu. Je le vois plus dans le bleu, celui-là. Il est trop beau. Ensuite, ces deux-là. Alors, attendez. Ces deux-là, je pense que ce sont les mêmes aussi. Donc, je vais les combiner dans le même sac. Et je vais essayer d'agencer ça avec les autres strass que j'ai aussi. Voir si ça match. Ah, il y a ce. Oh, il est beau celui-là aussi. Ça, c'est un pâle. Ah ouais, il est magnifique. Qui va avec ces deux-là. Il y a celui-là. Et on a des verts plus foncés. Ça, ce sont deux couleurs bien différentes. Mais qui sont plus foncées. Superbe. Ensuite, on peut passer au. J'essaie d'aller par ordre d'élimination. On peut passer au jaune. Ah, le vert, on dirait qu'il y a ça. Ouais, ça, c'est un vert pâle, ça aussi. Celui-là. Je me demande si c'est pas le même que celui-là. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Non, ça, c'est un autre vert encore. Donc, j'ai quatre verts pâles. C'est très, très pâle, ça. Et dans le jaune, J'en ai plusieurs. Alors, dans le jaune, j'ai l'impression que ces deux-là, ce sont les mêmes aussi. J'ai l'impression. Il va falloir que je les mette dans un plateau pour voir. Ça et ça. Ouh, ça se pourrait que ça soit la même couleur, ça aussi. Donc j'ai ces deux-là. Et ensuite. Alors ça, c'est un rose qui tend plus vers le vert. Un rose. Un jaune qui tend plus vers le vert. Et il y a ce jaune-là qui tend plus vers le orange. Un gros paquet. Oh là là, merci Jacinthe pour tout ça! Et tout ça, alors, je vais les incorporer dans des DP avec des diamants ronds. Parce que je pense qu'ils sont pas assez petits pour les mettre dans un DP avec des diamants carrés. Au niveau des. Ah, attendez, il y a d'autres jaunes là. Il y a aussi ce jaune-là. Je peux aller avec ça. Et ce jaune qui est aussi un peu. Ça, c'est un jaune très pâle, ça, que j'ai là. J'essaie de voir si ça agence. Il ressemble beaucoup à celui-là. Je ne sais pas si ce sont les mêmes. Il va falloir que je les mette aussi dans un plateau, voir si ce sont les mêmes. C'est un jaune vert, ça. Ensuite, là, on a un bleu. Mais ce bleu-là, il y a des reflets violets dedans. Il est magnifique. Je ne sais pas dans quoi tu l'as eu, Jacinthe, celui-là. Mais il est trop beau. Il est trop, trop beau, celui-là. Ah ouais, je vais le mettre avec les bleus. Je vais le mettre là-haut. Et au niveau des violets, en parlant des violets, il y en a plusieurs aussi. Violet, il y en a trois très différents. Ça, c'est génial, ça. Voilà, il y a un pâle qui est juste là, un très foncé et un moyen. Ça, c'est génial. Ah, ça c'est un autre vert. Il est beau celui-là aussi. Je me demande si ça n'agence pas avec les autres. Non, peut-être pas. Ça c'est cool. J'ai plein de verts différents là. Ensuite, au niveau des rouges.
J'ai l'impression que le reste, c'est plus des roses. Ah, il y a un orange là. Voilà, j'ai deux oranges là, qui sont différents. Très différents les uns des autres. Et j'ai des roses. Ça, c'est du violet aussi, je dirais. Voilà, ça c'est un rose, mais c'est plus violacé, ça. Et celui-là aussi. Génial. Parce que même si ce sont des petites quantités comme ça, j'utilise, hein, je le parsème un peu dans le DP, là, ça va être trop beau. Ça va être trop, trop beau. Et dans les rouges, alors dans les rouges, il y en a plusieurs. Un gros sac, là, encore. Et j'ai l'impression que ce rouge-là... Et ce rouge-là, ce sont les mêmes. Il me semble. Avec ce rouge-là aussi. Ça ne m'étonnerait pas que ces trois soient ça soit les mêmes. C'est génial, ça. Et ça, c'est un autre type de rouge. Rouge. À la caméra, on le voit plus orange. Mais moi, en vrai, je le vois plus rouge. Et on a... Ça, c'est beau, ça. C'est une espèce de... Comment dire ça? Regardez la couleur de celui-là. C'est comme un marron... J'essaie de trouver le mot pour ça. Comme un bronze, presque. Il est trop beau, celui-là. Il faut aller là. Là, j'ai du transparent. Mais du transparent. Ça, c'est transparent, mais avec une petite, un petit ton de jaune là-dedans. Ça pourrait aller là-dedans. Ça, je pense que c'est du transparent, transparent. Ouais, ça, c'est du transparent, transparent. Et ensuite, on tombe dans les roses. Ah, il y a un autre violet, là. Oh là là, c'est beau, ça aussi. Oh, c'est magnifique. Là. Et les roses. Alors, les roses, il y en a plusieurs. Alors, si je vais dans les pâles, il y a deux tons. Donc, il y a ça. Et il y a ça. Ensuite, un peu plus foncé, il y a ça, qui sont tous les deux magnifiques aussi. Il y a ces deux-là, qui sont différents, sont très beaux. Et pour terminer, il y a ces deux. Ça, c'est plus dans les marrons aussi, hein, je dirais. Ça aussi, c'est plus dans le bronze. C'est très joli, ça aussi. Je sais pas où le mettre celui-là. Ouais, pour aller là. Sauf que vous voyez plus là, vous voyez plus ce que je fais. Moi, j'étais dans mon monde encore une fois. Voilà. Attendez. Je me lève parce que j'étais assise là. Je vais juste bouger la chaise juste pour voir qu'est-ce que vous voyez parce que je pense que vous voyez même pas à la fin ce que je faisais. Non, voilà. Voilà les couleurs. Je sais qu'il y a le reflet de la lumière là, mais je peux rien faire pour ça. Et les deux dernières couleurs, c'est ça qu'on a. Ça, c'est joli, ça. Ça, c'est un... Je sais pas comment expliquer la couleur, mais c'est trop beau. Et ensuite, il y a ça. J'allais dire aussi avec ça. C'est trop mignon, ça. Là, du coup, j'ai beaucoup de strass qui est génial. J'adore ça. Vous savez, hein, les strass et moi, j'adore ça. J'ai beaucoup de strass et ils ne sont pas classés encore. Ils ne sont pas classés du tout. Pour l'instant, ils sont tous mis ensemble dans un gros sac refermable. Mais il faut que je les classe. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je pense que je l'avais déjà demandé dans une vidéo. Si jamais vous êtes intéressé de me voir classer ces strass, laissez-le moi savoir et je pourrais faire une vidéo peut-être de 10 ou 15 minutes pour vous montrer comment je compte faire ça, parce que j'ai une idée en tête. Mais j'aimerais beaucoup te remercier, Jacinthe, encore une fois. Je m'attendais pas du tout à ça, c'était vraiment une surprise.
Merci beaucoup, 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 beaucoup. si jamais il y a des personnes qui veulent m'envoyer des strass ou je ne sais pas, des trucs que vous n'utilisez pas, vous savez que moi je suis tout le temps preneuse, avec plaisir. Vous pouvez toujours me contacter. Maintenant, on a une boîte postale, donc je peux toujours vous donner notre adresse avec la boîte postale. Si jamais il y a des choses que vous n'utilisez pas et que vous dites, ben peut-être que Lorraine, elle va les utiliser, même s'il faut que je paye les frais d'envoi, moi, ça ne me dérange pas du tout, surtout si vous avez des strass, vous le savez. Mais c'est ça. Merci beaucoup encore, Jacinthe, pour ce beau cadeau. Je vais me régaler à incorporer ça dans les DP, tu le sais. Bisous, 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 Jacinthe. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!